Hey, 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 cucu mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode du richissime archéologue. Et on retrouve Ayoa qui a le sourire. Mais oui, pourquoi? Tout simplement, pourtant il s'ennuie, parce qu'en plus il le sait. Il le sait, il a une nouvelle petite maison. Ça y est, il commence à avoir froid, le petit. Maison que l'on a donc construit en live sur Twitch, avec les abonnés qui me donnaient leur avis au fur et à mesure. Ce n'est pas celle-ci. Elle est là, la maison d'Iowa. Alors, on est parti sur un délire un peu moderne, vu que tout le reste était déjà moderne dans le coin. Donc, sa maison est également moderne. Mais écoute, Coco, viens, rentre à la maison, viens avec nous. Pendant que je vous fais visiter, va rentrer. Donc vous avez sur ce petit terrain, parce que pour l'instant nous ne pouvons pas encore déménager, puisqu'il faut avoir fini l'aspiration incroyablement riche pour cela. Nous avons une piscine, puisque Ayoa adore nager. En tout cas, il l'a montré à Sevadorada qui se faisait du fitness beaucoup plus facilement à la piscine plutôt que de courir. Donc pourquoi pas? On entre dans la maison. D'accord. Nous avons un joli salon très vaste, très sympathique. On change de couleur, on est plutôt dans les jaunes, oranges et blancs. Voilà, c'est un peu moderne. Il a une belle, toujours sa belle télé. Un tout petit coin ordinateur. Nous avons ici le coin cuisine qui est noir et blanc, très 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 moderne, on va dire surtout. Une toute petite table, hein. On va pas changer les habitudes pour manger, mais il y a une chaise en plus au cas où. Ici, nous avons un espace juste pour les toilettes. Eh oui, il faut bien faire ça de temps en temps. Ici, c'est la salle de collection donc de ses trésors. Il n'y a que lui qui pourra y rentrer. Hein, j'ai peur qu'on vienne nous les voler. Surtout avec écologie et le fait de partage total. Voilà. Donc, c'est tous ces petits trésors et tout ça. Ici, nous avons les fossiles. Donc, on a encore un peu de la place pour ceux qui restent. Mais pour l'instant, voilà. Et les trésors qui sont donc dorés, tout ça, je les ai mis ici. Mais il va manquer de place un petit peu parce que j'ai pas encore récolté les trésors qu'il a ramenés avec son dernier voyage. À l'étage, donc, nous arrivons sur cette petite cage d'escalier bien sympathique. Nous avons ici la chambre d'Iowa. Et c'est une maison qui a qu'une seule chambre, qui est dans les tons orange, son bois sombre, vert bleu et un peu de blanc, histoire de donner de la couleur. Du coup, c'est l'hiver dehors, donc je pense qu'il va bien se sentir sympathiquement. Regardez-moi ça. Dans cette chambre, en tout cas, je l'espère pour lui. En face, nous avons une salle de bain vraiment très sympathique avec une baignoire, un toilette et la douche, puisque je n'ai pas d'évier, je n'ai pas de lavabo dans cette maison. C'est une volonté, donc effectivement. Et on n'a pas de lichepot. Et sur la terrasse, ça c'est un endroit qui... Oh là là, ces couleurs. Oh, c'est magnifique. Regardez-moi cette vue. C'est splendide. Et il a... Monsieur a un jacuzzi maintenant. Hein. Et même dans le jacuzzi, en étant dans sa jalousie, eh ben, on est bien, quoi. On n'a pas de voisin. Ici, il y a un petit salon d'extérieur. Et là, il y aura sa table d'archéologie, puis la deuxième à côté. Voilà pour la visite. Alors, elle te plaît ta nouvelle maison? C'est confort? Regardez, il est content, il a la bénédiction. Bon, il a froid et il est désespéré. Oui, mais c'est pas grave, t'as une belle maison, regardez, il écoute même de la musique. Ah, pour nous faire la simrumba, c'est obligatoire. Bon, vu qu'il est un petit peu désespéré, je le fais appeler Casey et après Erika. Et lui, il regarde en même temps la télé et il écoute la radio. Dis donc, tu t'es vraiment un homme à tout faire, toi. Pour les trésors, du coup, vraiment trésor, trésor, les assiettes calendrier. Donc je pense que celle-ci, on ne l'a pas. Ça, c'est une bonne chose. Celle-ci, je pense que... Oui, on l'a déjà. Oh, quelle tristesse. C'est pas grave, on va récupérer 10 000 simflouz, hein. Et celle-ci, on l'a 3 fois. Donc, et on l'avait déjà. Donc en fait, je peux les revendre. Regardez, il nous reste que 1738 simflouz. On va vite les récup, hein. Il y a celle-ci qu'on n'a pas. Donc attendez, celle-là, je la laisse là. Et celle-ci, on ne l'a pas. Donc on a bien 5 assiettes différentes pour l'instant. C'est vraiment trop cool. Et au niveau des petites machins là, les grenouilles. Alors, or orné de pierres précieuses, on a celle-ci. Non. Amazonite et or. Surfeuse en hématite. Jonquilliste et or. Ah merde, je pense que c'est la même celle-ci. Ouais, 8058, je peux la vendre alors que celle-ci. Et ben, ah, je peux la mettre avec! Mais c'est merveilleux! Ah, mais oui, mais c'est beaucoup mieux comme ça! Je pensais qu'il m'aurait fallu beaucoup plus de place, mais non! Donc, en gros, je peux vendre ces 4 choses-là. Et puis, on a
Pas mal de choses récupérées, encore une fois. Bon, j'ai aussi les reliques qu'il faudrait que je mette en exposition. Mais pour l'instant, je les garde dans son inventaire pour pouvoir voir ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Et puis, bah, avec tous ces petits cristaux en plus et tout ça, il va en envoyer au conseil de géologie pour pouvoir récupérer des éléments, puisqu'on n'a toujours pas, eh bien, fait la collection d'éléments. Et c'est un petit peu long, mais on va s'y atteler. Ça me fait plaisir de le voir évoluer dans sa maison. Ah, c'est cool. Allez, mon beau, tu l'as bien mérité, tu peux dormir. Bon, il est pas si tard que ça, et puis bon. Mais c'est la pleine nuit, donc go. Demain est un autre jour. Demain, on va travailler à ton aspiration aussi, puisque nous sommes maintenant l'aspiration érudit d'archéologie. Bon, ça ira logiquement assez rapidement. Oh oui, bah on n'a pas payé nos factures de la semaine dernière, bah tu m'étonnes. Bah bien sûr qu'ils nous ont coupé l'électricité, c'est logique. Allez, tu vas pouvoir payer les factures de 300 pile poil. Mais il est parti manger son dîner là, lui, sur sa terrasse. Oh, bah et en même temps, les enfants, je pense qu'avec une vue pareille, là il commence un petit peu à neiger. Je le comprends, le petit Oyowa quand même, hein. Moi je passerai un petit peu mon temps sur ma terrasse. Allez, on va ouvrir cet œuf Kinder. Bon, il est un peu cabossé, mais ça passe. Et puis, comme ça nous fera fa valider la première étape de cette nouvelle aspiration. Oh, mais demain, c'est la fête de l'hiver. Oh, super. On va essayer de faire un petit truc. On va peut-être inviter les peu d'amis qu'on a. Voilà, étape terminée. On a donc trouvé un vase dans ce Kinder Surprise. Chercher un tas de terre et authentifier trois objets aussi. Hein. Bon, ça sera facile. Chercher un tas de terre. Voilà, c'est dommage, c'est que c'est à Selvadorada et c'est pas ici. Ah, ça me casse les noix. Il me fait rigoler. Il dit qu'il est enfermé. Ce Sims devra bientôt passer du temps à l'extérieur pour soulager sa tension. T'es sur ta terrasse, mec. T'es dehors, là. T'as limite la neige sur la tronche. Lol. Voilà, c'était un petit vase authentique. Tu vas le mettre dans l'inventaire. Puis tant qu'à faire, si tu dois en découvrir 3, on va faire authentifier directement. Voilà. On va authentifier vers la fin. Pourquoi t'es aussi content? Mais t'as déjà tout découvert comme trésor, t'es un peu bête. Puisque vous savez qu'on reçoit les trucs là automatiquement. Donc je sais pas du tout s'il a reçu quelque chose de nouveau. On va regarder ça. Et puis au cas où celui-là, il faut le renvoyer et qu'on gagne des petits sous. Mais bon, ça va, on est à l'abri et j'ai pas encore vendu les assiettes. Voilà, celui-là aussi. Bah écoutez, j'avais rien de nouveau à renvoyer au truc de recherche et tout ça. Bon, et puis bah comme t'as rien à faire, tiens, tu vas aller faire des longueurs. Oui, c'est pas grave. Hein, on a mis la terrasse exprès en dessous pour qu'elle puisse être couverte et qu'il puisse quand même aller faire un peu de sport en douceur. Bon, il risque d'avoir froid, mais c'est pas grave. Dans ce temps-là, il bosse son fitness quand même. Ah bah d'ailleurs, pendant qu'il fait en train de faire sa nage, je suis en train de me dire que j'ai oublié de remettre la table d'échecs pour sa logique. Et zut. Mais j'avais oublié qu'il pouvait parler aux plantes. Comme ça, son social, il est au top. Oh, c'est cool. Ah! Il y a quelqu'un qui vient chez nous faire un cadal? Bah viens, salut. Sophie Poluc. C'est vrai qu'on t'avait parlé un petit peu. Bah c'est sympa de venir à la maison. J'espère que tu vas nous offrir, je sais pas, enfin, on verra bien. Wesh, vas-y. Sympa. Qu'est-ce que c'est? Un cube de fausse viande séchée. Oh bah dis, c'est rigolo ça, vu que j'ai pas encore testé. Oh, puis tu vas refaire. Ah ben oui, ça va être trop froid. Oh, casse-coucouille alors. Bon, bah tant pis. Hein. Je voulais lui faire planter, mais on va attendre. Hein. C'est pas grave. Wouah! Elle a eu son petit éclair de truc là, parce que comme lui, il est toujours béni. Eh ben, elle a été bénie aussi de ça, quoi. C'était quoi déjà? Esquisse des essences du temple. Voilà, donc en gros, il propage son bonheur. Parfaitement. Au revoir, Sophie, c'était sympa. Bon, pendant que Monsieur Iowa va aller se doucher puis aller se coucher, on a, je crois, reçu pas mal de choses. Ok, donc je peux tous les vendre en fait. Donc ça va être facile. Bonne nuit, mon beau. Ah! Bah oui, c'est la fête de l'hiver. Zut, flûte mince. Bah, Coco, il y a tes toilettes qui sont là. Allez, dépêche-toi.
Bon, dans ce morne matin d'hiver, je vais aller lui faire récolter sûrement des boîtes mystères de mes fesses parce que c'est chiant, parce que les cristaux, on les a tout le temps à Salvadorada, c'est toujours là-bas qu'on va trouver des cristaux, alors qu'ici, ça va être avec de la chance, un fossile. Voilà. Ou encore, la boîte temporelle, là, de mes fesses. J'espère qu'en tout cas, mon petit, tu n'es pas anatidéphobe. Ou atteint de anatidaphobie parce que j'avoue qu'ici il y a des bestiaux qui traînent, là on sait pas, il y aurait peut-être un canard dans le coin, pourquoi pas. Ah bah voilà, morceau de calcaire, d'ailleurs j'en ai quelques-uns à ouvrir, donc on va croiser les doigts pour que ce soit des choses que nous on n'a pas ici, voilà, ils sont là. Et encore une roche calcaire? Oh bah dis donc, mais on est en forme aujourd'hui là, tu nous en trouves les trucs. Bon alors, là c'est quoi? Encore un morceau de calcaire! En plus, je vous rappelle qu'au niveau de la collection, il nous reste genre des trucs super communs et qu'on les a toujours pas. On a des trucs rares, mais il y a des trucs communs qu'on n'a toujours pas trouvés. Et là, tu vas me trouver un petit cristal, hein? Vas-y, fais-moi plaisir! Une pêche! Super! Et une turquoise! Il y en avait deux? Oh, quel pied! Du coup, oui, il fait pas glacial, il fait juste froid, donc il va pouvoir planter et améliorer son jardinage. Ça, c'est cool! Donc je te laisse faire, enfin, j'ai pas tout mis parce que j'aurais pu mettre 15 000 pâtes, pommes de terre et tout. Mais j'ai pas envie d'avoir des millions de choses à récolter à chaque fois ou à s'en occuper. Donc je fais pas grand chose comme ça, je suis tranquille. Et d'ailleurs le reste, j'ai tout mis dans le frigo, donc peut-être qu'on aura des recettes qui vont pas être chères et tout ça. À voir. Allez, on va au moins lui laisser l'honneur de pouvoir décorer sa nouvelle maison toute flambant neuve. Ouais, c'est pas vraiment ce que j'ai sélectionné, mon coco. Il se met au fourneau. Comme ça, après, il pourra inviter. Bah, des invités, quoi. Allez, Mambo! Plouf! C'est parti pour les longueurs du jour. Qu'est-ce que c'est? Bah, les gens random qui continuent à venir alors que on leur a rien demandé, hein. Bon, allez, tu vas me faire une présentation chaleureuse. Pourquoi pas? Voilà. Allez, on a invité de la gueuse ce soir au dîner. Merci la gueuse. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. Elle, je sais même pas si elle est invitée. Mais c'est pas grave, tu vas pouvoir lui chanter la chanson du jour férié en attendant. Ouais, Erika est venue! Oh, coucou, ça faisait longtemps! Ça y est. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu lui fais des petits. Tu lui envoies déjà des bisous d'amour à Erika. Elle regarde la voisine, elle se dit, mais c'est qui cette connasse encore? Franchement. Tu vas la remercier d'être là et tu vas discuter. Vous n'êtes pas vus devant une semaine. Il s'est passé quand même du temps, hein! Voilà, c'est la fête un peu. Ah, mais Sophie est arrivée aussi. Il leur faut du temps quand même à ces gens-là avant de se pointer. Franchement. Oh, Casey, celle qu'il ne voulait pas avoir une affaire avec Iowa, eh ben, elle est quand même venue. Voilà, ça se fait, on se fait des bises comme ça, histoire d'eux, tu vas la complimenter. Ah, bah il est là! Il est là! Il est là, le Père Noël, tu vas te présenter! Voilà, tout le monde fait la fête, c'est bien, c'est cool. Elle est visiblement mal à l'aise, Eric. Hein. On va lui demander un cadal, hein, quand même. Tu vas se renseigner sur la carrière de Patrick Fontaine. On sait jamais, hein. Peut-être que c'est juste un cosplay, hein, son truc. Oui, qu'est-ce que tu vas voir comme cadeau? Quelque chose de cool. Oh, alors? Dis-nous tout. Est-ce que c'était une bonne surprise ou pas? Est-ce que le Père Noël était sympa? Oh, super, c'est un My Sims de mes fesses. Ah, qu'il est beau et passionné quand il raconte des histoires de jungle à ceux qui veulent bien l'écouter. Même le Père Noël, il en peut plus, quoi. Alors, et on offre un petit cadeau à Erika quand même, parce que bon, c'est celle avec qui on a eu une plus grande relation. Et pourquoi ils prennent des photos? Je comprends pas. Ils sont chelous, ces gens. Il a tout complété. C'est la plus belle fête de l'hiver de Iowa de sa life. Allez, tu vas lui faire rouler un gros galop à ta Erika. Et peut-être que vous allez tirer un coup, histoire d'eux, parce que ça fait longtemps, quand même. Mais il fait quoi, le Père Noël, là? Il est avec sa tablette? Toi aussi, tu vas offrir un cadeau. Allez. Tu vas offrir un lotus de pierre omnisquin au Père Noël? Ça pourrait être rigolo, tiens. D'offrir un cadeau au Père Noël qui offre des cadeaux. En même temps, il nous a offert de la merde, hein. Je veux pas dire, mais... Tiens, Monsieur Père Noël, tu pourras refiler à n'importe qui après. Et alors, ça te plaît? Bah, ça a l'air. Bah, tant mieux. Oh!
Casey est enceinte. J'y crois pas. En tout cas, c'est pas Dayo, hein, ça c'est sûr. Ah bah oui, regardez le bidou. Oh, il a popé. Ah bah, c'est peut-être pour ça qu'elle voulait pas faire des trucs avec Ayo, hein. Elle était peut-être déjà prise, la coquine. Alors, un petit massage aérien, histoire de se remettre dans le bain. Et si tu peux lui demander de rester pour la nuit, ce serait cool. Non mais, je sais, hein. Me prends pas pour un ordinateur, hein. J'ai bien vu qu'avec Casey, il se passait quelque chose. Alors, mais oui, mais Erika, entre-temps, on a eu phalangine. Mais tu étais beaucoup mieux que toutes ces deux-là, hein. Franchement, en plus, t'es tellement à croquer dans ton petit pantalon blanc à fleurs et ton petit haut rouge. Allez, un petit peu d'amour quand même entre vous. Et vous allez tester la solidité du nouveau matelas et du nouveau lit, hein, Dayowa. Allez, go. Allez, c'est y part. Testons tout ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait aussi avec sa tablette, celle-ci? Ils sont chelous. Allez, une nouvelle journée s'annonce pour Ayoat. Et tu vas prendre une bonne petite douche. Tu vois ça, tu vas bien te réveiller. Il va être au top du top. Mais elle vient de partir. Non, vas-y, on va travailler nous aussi. Hein. Mais là, il va avoir des besoins. J'ai rarement vu aussi dans le verre, quoi. D'ailleurs, ça a déjà poussé les oignons, là, et pas encore les pommes de terre, mais... Il va vendre tout ça. Oh ! Oh oui, je lui ai mis un petit look. Un nouveau petit look d'hiver avec la salopette d'écologie. Ça lui va trop bien, il est trop cute. Et c'est un niveau 7 de jardinage. Je vous rappelle qu'on doit atteindre le niveau 10 en jardinage, ainsi qu'en fitness. En archéologie et en culture salvadorienne, il n'y a que 5 niveaux, donc il faut être au top. Et bah ça va, on est bien parti. Et en logique aussi. Fitness, on est à 6. Et en logique, on est à 6 aussi. Allez, Ayowa, on va taper dans le niveau supérieur dans le fitness, là. Oh là là, on est qu'à quelques pourcents. Ah, qu'il est fort, qu'il est beau. C'est petit Ayowa Jones. Oh yeah, niveau 7 en fitness. Ça, c'est good. Je viens de faire un petit compte-rendu sur les reliques. Donc j'en ai... Bah, j'ai presque... En fait il me manque 4 or en fait. Celle-ci je vais pouvoir la revendre parce qu'en fait on l'a déjà. Sachant que les pierres qu'on met à l'intérieur ne servent à rien. Donc je vais vendre ça. Je vais vendre la tête aussi ici. Et les 5 têtes là parce que ça ne sert à rien en fait. Je les ai déjà quand elles sont pas... voilà. Quand elles sont pas en or, je les ai déjà. Donc ça, tout ça je vends. Et il m'en manque 4 en or. C'est la Totekeyama KO et observateur en or. Et la Zazatotot KO et observateur. Voilà pour les reliques. Je vais commencer à y voir plus clair. Bon, tant qu'à faire, je vais faire du tri. On va vendre tout ça. Parce que ça, c'est que des trucs à la con qui m'intéressent pas à l'intérieur. Et on va ouvrir aussi les roches fossiles. Parce qu'on en a 8. Donc on va croiser les doigts. Ah, un authentique. Mais comme il est brisé... déjà on va le renvoyer, voilà, ça nous fait gagner 4000 parce que c'était pas à nous, celui-là il risque d'être à nous, donc on va le garder bien précieusement. Et après on va ouvrir ça. Oh magnifique, authentique, tu peux le mettre dans l'inventaire. Et puis allez go, on va ouvrir ça. Tu vas extraire un fossile, extraire un fossile, extraire un fossile, extraire un fossile. Nous avons donc gagné un fossile de bras de tyrannosaure, un fossile cassé, super, une moustache et la main de Sims, une griffe de rapace, une pierre préhistorique, un crâne d'électrocératre. Mais tout ça en 4? Parce que je veux bien, on en a ouvert que 4, hein. Pourquoi tu nous en offres beaucoup plus? Tu vas réextraire ça, hop. Et hop, et pour l'instant, il n'y a pas de petite musique, donc on n'a rien du tout. On a le Plumbob, le simien, l'empreinte à 3 orteils et un simien encore. Bon, ben, rien de nouveau sous le soleil. On n'a pas complété de collection encore une fois aujourd'hui. C'est dommage. Dans la collection des fossiles, j'avais ces deux-là qui étaient donc qui n'étaient pas exposés, qui étaient dans son inventaire. J'ai un peu fait le ménage, hein. Tout ce qui était en double et tout ça, ça a été remplacé ou vendu. Ça fait du bien. Et pendant que Ayowa va se coucher et se reposer, moi je vous fais des bisous. Je vous remercie de m'avoir regardé pour cet épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura plu avec la nouvelle maison et tout. J'ai l'impression qu'on s'installe, qu'on est bien quoi. Ça y est, c'est un petit renouveau dans le let's play. Allez, moi je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager tout ça. À la semaine prochaine pour le Richissime Archéologue ou pour autre chose. Ciao.